Salut les amis! Salut mes chers leaders! De retour à la maison. Je fais un bon voyage. Je suis blindé là ici. C'est blindé à mort. C'est. Je sais pas vous. Mais voyez là, j'ai remis mon t-shirt. C'est à 110%. Non, excusez-moi. C'est à 110 000%. Hey, yes! 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 L'ancrage, une, deux, trois, c'est imprimé. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Trop phénoménal, notre Franck. Notre mentor, notre coach. Ah, le maître des maîtres. Le meilleur coach de la francophonie, c'est incontestablement Franck. Franck, je te remercie. Je te remercie pour le cadeau que tu nous as fait. Franchement, j'ai fait 13 000 km. 13 000 km. J'ai fait 2 fois 10 heures d'avion. Et je suis heureux. Je suis heureux. Je peux te dire que je suis comme le maître du monde. Alors, mes chers amis leaders, je tiens à remercier à Franck pour le cadeau surprise qu'il nous a fait. On était un petit groupe à 110% privilégié. Yeah, yes. Et j'ai été très agréablement surpris. Puisque derrière tous ces bonnes surprises, j'étais ravi puisque ça a confirmé ça a confirmé mes engagements. Ça a confirmé tout simplement la bonne décision que j'ai prise d'aller à la conférence des 110%. Il y avait aucun doute, mes amis. Il fallait y être. Vous savez? Juste derrière mon dos, et la statue de la liberté. On a cette liberté-là. Qu'est-ce qu'on fait de cette liberté? Est-ce qu'on va prendre notre avenir en main? Est-ce qu'on va y aller pour atteindre notre objectif? Je ne sais pas vous. Je sais pas vous. Je sais tout simplement pour moi. Je peux que parler pour moi. Et puis, je peux bien sûr vous influencer un petit peu. Un petit peu par amitié, par amour pour vous. C'est pas mon rôle, d'accord? C'est juste un partage, puisque nous sommes une grande famille, tout simplement. Une grande famille. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, waouh, 13 000 km. Ben ouais, 13 000 km. 13 000 km, bah c'est pour ceux qui ont fait Marseille-Paris, ils ont fait plus de 1 000 km. Ça peut paraître extraordinaire aussi. D'accord? Moi, j'habite un peu plus loin. C'est de ma faute. Et ma très grande faute que j'habite à l'île de la Réunion. J'habite pas à Paris. Et j'habitais à Paris. Mais j'ai pris cette liberté de ne plus habiter à Paris, d'aller sous les tropiques, de choisir de vivre. Ah, là où il y a le bon air non pollué. Quand je suis arrivé à Paris, tout simplement, une journée dans le métro, ça m'a suffi. Ça m'a suffi. Quoi? Ça m'a suffi. Non. Plus jamais. Jamais. Mais je vais venir pour faire des formations. Mais je vais venir pour profiter de Paris by night. Pour profiter des choses que j'ai pas chez moi de temps en temps quand j'ai envie. Mais je préfère passer plus de temps sous les tropiques. Et vous? Et vous, mes leaders? Que faites-vous avec cette liberté? Tout simplement. Bien, je reviens sur cette vidéo parce que j'ai des choses très importantes. Très importantes à vous transmettre parce que je vous aime. Je vous estime énormément. J'étais très heureux de voir dans l'Aqua Boulevard quand je suis arrivé. Vous savez, à l'île de la Réunion, on m'appelle Tonton Polo. Hey, Tonton Polo! C'est normal. Okay.
J'arrive à l'Aqua Boulevard, j'entends ce son de cloche. Hey, t'entends pas là? Quoi? Hey, je suis où là? Tout d'un coup, dans ma tête, je dis, oh, c'est qui? Y a quelqu'un qui me connaît déjà? Je rencontre le sparker le plus dynamique, le plus énergisant. Vous l'avez deviné? C'est qui? Roy, yeah! Salut mon ami Roy! Salut mon frère Roy! Donc, c'est lui que j'ai vu avant. J'étais heureux, ben, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai sauté dans ses bras, j'ai dit, tiens, waouh, super, très heureux de te rencontrer pour le vrai. Puisque d'habitude, ben, on se voit là, par vidéo, par Facebook, tout simplement. Et là, c'est du vrai de vrai. Hein? On n'a pas la. J'ai pas cette chance-là, moi, de rencontrer énormément de sparkers autour de moi, parce que je suis loin. Donc, je dois faire beaucoup plus d'efforts que tout le monde. Il y a, on va dire ici, il y a 3-4 sparkers, mais 3-4, le temps que quelques-uns soient disponibles et tout ça, etc. Donc, on ne pourra pas faire une grande rencontre avec beaucoup de personnes et tout ça. Mais j'étais franchement ravi de pouvoir passer un moment court mais intense avec vous. C'était extraordinaire. Et pour revenir à ça, la tournée 110, pour faire mon partage avec vous, c'est tout simplement j'étais très heureux puisque c'est quelque chose de fort. Quand le staff de Globe nous a dit, ben ouais, une surprise pour nous. Et je vais vous dire un secret. C'est dès le matin dans le RER. Je savais que ça allait être une journée extraordinaire. Je savais que ça allait être une journée extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui j'ai 46 ans. Après un peu plus de 25 ans, je dirais, de vie active. Puisque depuis 20 ans, je suis dans la vie active. Avant de terminer les études, j'étais déjà dans les affaires. Et vous savez, quand vous êtes dans les affaires, vous prenez très vite des claques de la figure. Bon, mais très vite, j'ai pris des claques de la figure. Très vite, j'ai su rebondir, j'ai su relever et j'ai su rebondir. Okay? Et ce que j'ai vécu en ce jour de séminaire à 110%, avant de vous rejoindre, je savais que ça allait être un moment déterminant, un moment primordial pour ma vie, tout simplement. Parce que les émotions, ça a commencé à monter, les émotions comme ça a commencé à monter depuis dans le RER. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh ben, c'était une journée attendue, c'était une journée fantastique de pouvoir rencontrer notre super Franck Nicolas. Je savais qu'il avait énormément de choses à donner. Je savais qu'il avait un grand cœur. Mais je ne savais pas à quel point. Je ne savais pas à quel point. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu seras en contribution, mais tu ne vas pas pouvoir profiter. Dans ma tête, je me suis dit, non, j'ai décidé d'être en contribution parce que j'ai voulu donner un coup de main. J'ai voulu donner un coup de main. J'ai fait 13 000 km. C'est pas grave si je vais pas pouvoir profiter de la conférence à 110%, mais je vais pouvoir avoir plus que 110%. Et j'ai suivi mon instinct. Donc, franchement, j'ai eu raison. J'ai eu 110 000 fois raison. Puisque le moment très court qu'on a eu pour passer avec Franck, ça a été wow, puissant. Et si même le séminaire aurait arrêté là, à 14 h, ben c'était déjà gagné pour moi. C'était déjà gagné. Je me suis dit, je vais aller à la conférence en contribution. Je suis sûr que j'aurai un moment extraordinaire. Je suis sûr que j'aurai un moment en privé puissant. Et c'est ce que j'ai besoin. Beaucoup m'ont dit ben, bravo d'avoir fait le déplacement exprès pour venir de si loin.
Et vous savez, j'ai un tel projet qui est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 50 654 créations d'entreprises et d'emplois. Ce n'est pas deux emplois, ce n'est pas cinq emplois, ce n'est pas cinq entreprises. Ce n'est pas 50 entreprises, ce n'est pas 500 entreprises. Ce n'est pas 5 000 personnes que l'on veut rassembler. C'est 50 000, 50 000, oui, 50 654 personnes que je veux rassembler autour de l'entrepreneuriat. Le chiffre est énorme. J'ai mis la barre très haut. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Ça va se faire. Ça va se faire les doigts dans le nez, là, comme ça. C'est pour ça que, tout simplement, ça s'appelle s'engager à 110%. Je me suis donné les moyens. Ça m'a coûté de l'argent. Oui, ça m'a coûté de l'argent. Il y a que ce... Et je vais vous dire un secret. Entre vous et moi, parce que je vous estime bien, au fond du cœur. Si je ne vous aurais pas estimé, je ne vous aurais pas dit ce que je vais vous dire. Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, dans une famille, tout simplement, il n'y a que ce qui coûte qui rapporte. Oui, ça m'a coûté plus de 1 600 euros les déplacements, les billets d'avion, les dépenses et tout ça. Okay? Je m'en fiche. 1 600 euros, je sais que je vais pouvoir multiplier par 10 par 100. Par 1 000. Il n'y a pas de souci. No soucis. C'est clair, c'est net, c'est précis. Parce que j'ai vécu un moment tellement fort quand il est arrivé notre Franck. Avec sa pêche, Quand il est arrivé, il a dit waouh, je suis fier de voir mes chers leaders Sparker. Et là, c'était un moment incroyable. Un moment où j'ai vécu, il n'y a que 4 fois comme ça, que j'ai vécu ce genre de moment dans ma vie. Vous voyez, je suis en train de vous partager quelque chose de très fort. Et bon sang, punaise, personne pourra m'arrêter aujourd'hui. Puisque je suis un leader à 110 000 % engagé, je vais pouvoir réaliser mes objectifs. Parce que j'ai pris conscience, ces 10 minutes qu'on a eues avec Franck, c'était incontestablement l'un des meilleurs moments de toute ma vie. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? C'est quelque chose de puissant. Je suis pas quelqu'un de sensible, c'est pas vrai. Ne croyez pas ça. Je suis un roc. J'ai peur de rien. Mais quand je vois, j'ai vu ce que ces 10 minutes, comment je l'ai vécu à 110 000 %. En plus, avoir discuté avec Férouz par la suite, qui est coach, je lui ai expliqué ce que j'avais vécu. Et là, Férouz m'a dit, Fabrice, c'est juste phénoménal ce que tu es en train de vivre. Juste phénoménal. Deux cadeaux de deux coachs. Un super coach. On en a discuté au moins 10 minutes avec Férouz. Et elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, trop génial. Tu es trop génial. Alors, juste pour ça, vous voyez, je voulais juste vous partager ce moment précieux pour moi. Ce moment précieux, croyez-moi. Je suis devenu inarrêtable. Je suis devenu un bulldozer. J'étais un bulldozer. Mais là, je suis devenu un bulldozer inarrêtable. Personne ne va pouvoir m'arrêter dans mes projets, dans mes rêves, puisqu'il y a vraiment énormément de personnes à l'aider dans le monde, dans mon entourage, il y a énormément de personnes. Alors, montrer le chemin de l'entrepreneuriat. Vous voulez être entrepreneur? Oui, c'est possible. C'est difficile? Oui, c'est difficile. Il y a des engagements? Oui, il y a des engagements. Ça va vous coûter de l'argent? Oui, ça va vous coûter de l'argent. Ça va vous coûter intérieurement? Oui, ça va vous coûter intérieurement. Mais je parle en connaissance de cause. Je parle en connaissance de cause, tout simplement. Vous savez, aujourd'hui, faire 13 000 km, ça ne me fait pas peur. Même s'il fallait faire 20 000 km pour aller jusqu'au Canada, ça ne me fait pas peur. Pourquoi? Aujourd'hui, quand on veut, on peut. Pour moi, c'est une certitude. Quand on veut, on peut, tout simplement. À celui qui croit, mais croire dur comme fer. Tout est possible à celui qui croit. J'ai entendu cette phrase. Il y a
20 ans aujourd'hui, 20 ans, un jour un grand leader, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit à celui qui croit, tout est possible, celui qui croit. J'ai pas dit à celui qui croit, tout est possible. J'ai dit à celui qui croit, mais croit vraiment, tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, je crois que c'est possible. Je crois que à 110 000% que c'est possible d'aller aider les gens. Je crois à 110 000% que c'est possible de réveiller les gens, de se dire bougez-vous derrière, bougez-vous les fesses, prenez votre avenir en main. Prenez votre avenir en main. Saisissez cette liberté pour construire votre avenir. Et maintenant, la phrase que Franck nous dit, soyez des leaders inspirants, déraisonnables pour un monde meilleur. Maintenant, je comprends. Je comprends un peu mieux cette phrase. Quand j'ai vu toute l'équipe de Parisiens qui était là, qui était en train de se prendre dans les mains, qui était en train de se dire un bonjour, comme il dit, et un vrai bonjour, waouh, bonjour, comment ça va, se prendre les mains, ils se connaissaient pas, les gens se connaissaient pas, ils étaient en train de se faire des énormes hugs. Juste ça, je dis waouh, phénoménal, phénoménal le Franck. Et on peut pas expliquer ça, on peut pas expliquer, il faut le vivre. Alors juste, chers amis, un petit conseil pour les Sparkers qui n'ont pas encore pris leur billet. Il y a encore d'autres séminaires à 110% de l'autre côté du Canada. C'est à vous que je m'adresse, mes chers amis canadiens. Ceux qui n'ont pas encore pris leur billet, eh bien allez-y. Allez-y, prenez votre billet. Prenez votre billet, allez-y, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Ça va vous changer la vie, mes chers amis. Après, vous allez me dire, après le séminaire, vous allez me dire, vous allez me faire un post, vous allez, je sais pas, vous allez me dire ce que ce séminaire vous a apporté. Moi, aujourd'hui, là, je viens vers vous pour vous expliquer ce que le séminaire m'a apporté. Et merci, 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 et 110 000 fois merci, Franck. Parce que tu as confirmé ce que j'avais comme projet. Tu as confirmé que je peux être un grand leader. Je peux être un leader puissant. Je peux réveiller l'entrepreneuriat dans le monde. Je peux rassembler 50 654 créations d'entreprises et d'emplois. Rassembler 54 000 personnes. Et je dirais que je pourrais le faire peut-être 5 fois, peut-être 10 fois. Parce qu'après un séminaire comme ça, 50 000 c'est trop petit. Si vous voyez ce que je veux dire, on va pouvoir mettre 500 000 si vous voulez. On va commencer par 50 654. Et yes! 50 654, mes chers amis. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse réfléchir. Je vous dis au bon entendeur, salut. Prenez, comme dit mon ami Roy, mon frère Roy, prenez soin de vous et prenez soin de vos rêves. Je vous embrasse, je vous aime. Un bisou de l'île de la Réunion, 13 000 km, je souffle. Oui, je vous envoie que du bonheur. À très bientôt, mes chers amis.